mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh waye guddig ñettel ga tamit neena ku ci julli juroom ben rakka bu ci nek fatiha ak inna anzalnahu fi laylatil qadr ak qul ya ayyuhal kafirun lu ci ne ñett yoon momi tamit neena dana melni ku gorel junni jam ak ku jox ndogu junni ñu woron woddu junni ñu rafle waye leel tamit junni ñu xif leel moy jox ñam junni do ma dama yo xamne dañu xif neena des nako ci bindal yitam tiyaba ju tolni limup njanaaw yi ci aduna yep te des nako ci defal liñi defal jaamu yalla yi gëna bax ak tamit ñi dé ci xaré manam ñi doon and ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di jihad té néna dess nako néna koku tamit déssuko fitnal ci bammélam manam bu faato du gis dara lu ko nakari déssuko ci mbugal yitam lolu moy guddig ñettel ga En ce jour du troisième nuit du mois de Ramadan, celui qui effectue 6 rakas dans lesquelles il récite pour chacune d'elles Al-Fatiha une fois, suivi des surat Al-Khadr, Inna Anzalna Filayat Al-Khadr 4 fois, Al-Kawthar, Inna Akhtayna Al-Kawthar 4 fois, bénéficiera des avantages dus à quelqu'un qui a affranchi 1000 esclaves, donné à manger à 1000 personnes au terme d'une journée de jeûne, habillé 1000 personnes dans un dénouement total, donner à manger à 1000 personnes qui ont faim, il bénéficiera aussi d'autant de bienfaits qu'il existe d'espèces volantes dans l'univers. Des bienfaits accordés aux meilleurs croyants et à ceux qui sont tombés au cours d'une guerre sainte. Enfin, il ne rencontrera ni épreuve ni châtiment dans la tombe.